Et salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yo-Kai Watch Busters. Ce n'était pas la fin, on a battu Wissumalo, mais il va y avoir d'autres choses. Alors là, déjà, si vous pouvez le voir, eh bien, on vient de faire la rencontre avec B. Jibanyan. Alors pourquoi B. Jibanyan ? Bah tout simplement parce que Jibanyan Buster, voilà, B. Oui, B parce que voilà, c'est une lettre à l'anglaise. Donc c'est B. Jibanyan. Et c'est tout simplement le Jibanyan de Yo-Kai Watch Buster, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a aussi Commerce and Buster, je sais, mais je l'ai débloqué. Mais je ne sais pas, mais apparemment, il y a un nouveau truc, là, qui s'ouvre. Genre, derrière ce... Enfin, je crois que c'est au sous-sol, donc on va aller voir au sous-sol. On va aller jeter un œil sur ce nouveau truc qu'on a débloqué. Ce serait cool si on a débloqué lui. Je pourrais le mettre dans mon équipe. Et apparemment, il y a un problème avec Robonian 28. Apparemment, enfin, d'après ce que Tsunao dit, il serait devenu malade. Enfin, il serait devenu fou. Donc, bah, ça va être lui, normalement, le méchant de ce chapitre. On va devoir rattraper sa bourde et réussir à lutter, même s'il nous a quand même été bien utile dans le dernier épisode. Non, on n'aurait pas pu battre Wissumalo sans lui. Donc ça va être chaud de battre un gars qui a réussi à battre Wissumalo avec juste un point. Et bien entre temps j'ai pas mal joué et j'ai réussi à récupérer Humili, je crois que c'est ça son nom, le cheval là. Et donc normalement il est censé être pas mal parce que c'est un tank, j'ai pas de tank dans mon équipe, mais bon si on a bien les busters, enfin Jibanyan Buster, on va peut-être le mettre à la place. Donc oh, qu'est-ce que t'as toi? Vas-y, il va avoir des surprises à me donner je pense, enfin des cadeaux. Ouais, alors qu'est-ce que c'est? D'accord, merci, c'est très intéressant. Oh, Pulino. Ok, ça doit être un truc qui permet de débloquer un nouveau yokai, mais il faut comprendre comment, donc on verra plus tard. Oh, qu'est-ce que... Encore autre chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ça ressemble au truc que j'ai là, genre à gauche, mais je sais pas exactement ce que c'est. On me l'a offert en plus à un moment, puis il s'est affiché là. Eh ben oui, il y en a deux maintenant. Je ne sais pas à quoi ça sert parce qu'on peut pas interagir avec, mais bon, ce sont des décos, on va dire. Alors, donc c'est ce truc-là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh! Une tenue de Buster, c'est ça? Ah, et je peux choisir qui va porter la tenue de Buster. D'accord, donc si je la mets par exemple à Jibanyan, il passe en rang B. Par contre, il est que niveau 18, c'est plutôt mauvais. Je vais essayer de la mettre à Yusapion. Si on la met à Yusapion, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une tenue que je n'ai pas. Et ça, des tenues que je n'ai pas. Ah non, c'est juste pour se changer en fait, et comme j'ai pas les autres tenues. Ok, bah écoutez, bah alors on va pas garder Humili, on va mettre Jibanyan dans l'équipe, non? Ça faisait quelques temps que vous me demandiez de remettre un yokai comme Jibanyan dans l'équipe, donc bah c'est parti. Par contre, il va falloir le faire augmenter de niveau. Ça va pas être... Parce que, enfin j'en ai 32 000, mais 32 000, est-ce que c'est suffisant pour arriver au niveau 35? Je crois pas, hein. On va voir, mais je crois pas. Donc comme ça on va avoir un Jibanyan avec un tout nouveau moveset. Alors où est-il Jibanyan? On va classer par rang parce que sinon on va jamais le trouver. C'est pas ça les rangs. Voilà. J'ai eu plein de nouveaux yokai entre temps, hein, vous pouvez les regarder sur l'écran du haut. J'ai eu Sigazou, j'ai eu Coléroptère d'ailleurs que je cherchais à avoir dans Yo-Kai Watch 1 mais que j'ai pas pu avoir. Et voilà. Alors. Ok, super. Comme ça, on a deux Jibanyan dans l'équipe maintenant. Alors, vas-y. Jibanyan. Voyons voir jusqu'où on peut aller. Je suis sûr qu'on va pas aller si loin que ça, finalement. Ah, si. Ok, donc il prend une nouvelle attaque, déjà. Ah, mais si, on augmente pas mal, en fait. Bon, là, ça ralentit. Hein. Bon, bah voilà, niveau 36, c'est très bien, non? Ah, mais les autres sont niveau 41, 42, donc non, c'est pas si bien, en fait. Ok, 41... Et 42, ok, on a réussi à aller jusqu'au niveau 42. Eh bien, c'est bon, maintenant on est parti. On est paré à l'aventure. Donc on va aller affronter les yokai les plus puissants qui soient. Là, ça va être des missions vraiment difficiles, vous allez voir. Allez. Parce que regardez. Donc c'est pas là. C'est ici. J'ai l'impression qu'on peut faire les missions dans n'importe quel ordre. Non, c'est juste qu'on peut les explorer à l'avance. Ouais, c'est ça. Et donc, eh bien, c'est parti. C'est cette mission-là, faut être niveau 45. On va galérer, mais on va essayer quand même. Allez, c'est parti.
Donc avant que quelqu'un ne fasse remarquer, je n'ai pas changé de coupe. Mes cheveux sont juste trempés parce que je sors de la douche. J'imagine que ça vous arrive aussi de temps en temps. Alors, voyons voir. On va prendre Jibanyan Buster. Qui peut faire quoi? Ah bah, il ne peut pas taper. Comment ça, il peut pas taper? D'accord, donc là, il donne des coups, mais il ne peut pas tirer. Il ne peut peut-être pas tirer tant qu'il a pas de cible. Ah, je la sens difficile, cette mission-là. 4 gros yokai à buter, ça va pas être simple. Allez, viens vers moi, que toi, hein, pas les autres. Ah oui, d'accord, donc s'il a pas de cible, il ne veut pas tirer. C'est tout simplement ça. Ok, ça va, bon, il fait pas tant de dégâts que ça, mais c'est quand même cool. On peut charger notre attaque ou pas? Non, on ne peut pas. Allez, tape. Ok, d'accord. C'est ridicule quand il tape avec son arme. Par contre, il peut esquiver, ça c'est très bien. S'il vous plaît, redonnez-lui de la vie, parce que là, il va pas tarder à y passer. Et Ikaku fait un truc là. Vas-y, redonne-moi de la vie. Voilà, c'est gentil. Bon, ça va. Pour l'instant, le combat, ça va. C'est pas trop compliqué. Même si battre 4 yokai comme ça, j'espère qu'ils vont pas être de plus en plus compliqués à battre. Hein. Voilà, salut. Je sais pas trop ce que c'était que ce truc-là, mais c'était assez flippant quand même. En plus, on gagne pas beaucoup d'XP. Hein. Pas énormément. Wow! Que c'est que ce truc? Il est énorme, ce yokai, on dirait presque un boss. Wow! Il était énorme! Enfin, il était super long, surtout. Ok, et qu'est-ce que c'est que ces yokai qui ont tous cette tête-là, là? Genre, avec des yeux comme ça, rouges, petits et rouges. C'est flippant, là. Je sais pas d'où ils les sortent, mais... Il y a un plan derrière tout ça. Oh non, 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 non. Ok, si je fais aussi loin, ça va pas marcher. On s'occupe d'abord de lui, parce que... Mais il a les mêmes yeux, je crois. Ouais, je crois que cette espèce d'anguille, elle avait les mêmes yeux. Oh, mais il en a des vies, lui. Bon, heureusement, il fait que de faire sa garde et jamais il attaque, donc c'est plutôt cool, mais... Ah, on va bientôt... Voilà, on peut utiliser la multim, j'imagine qu'il va tirer, non? Ouais. Waouh! Et c'est exactement le même tir que font les... Ok, je suis mort. Donc c'est exactement le même tir que font les Ghostbusters, bah, dans le film Ghostbusters. C'est exactement la même chose. C'est l'espèce de tir qui permet de capturer les fantômes. Donc je vais jouer avec lui jusqu'à la fin du combat et après on va reprendre notre Jibanyan Buster. Voilà, on va le reprendre maintenant, c'est bon. Ok. Bon, on en a buté 2. J'imagine qu'une fois qu'on en aura buté 4, il va y en avoir un dernier qui va apparaître. Ça me paraît assez évident. Eh mais, qu'est-ce qu'ils ont avec tous, avec ces mêmes yeux là, tous ces yokai? A mon avis, on en parlera plus quand on jouera à Yokai Watch 2, qui n'est toujours pas sorti, mais on verra quand il sortira. Parce que j'imagine qu'ils sont dedans. Je sais pas si c'est des versions ordinaires de yokai, mais genre empoisonnées ou... Enfin, je sais pas quoi, alternatives quoi. Allez, attaquons-nous à celui qui est là-bas. C'est dommage qu'il ait aucun tir qui se charge, ce Jibanyan. Oh là là, oh là là, alors lui... Il commence déjà par nous retirer... Enfin, je sais pas si c'est de la défense ou de l'attaque qui nous retire, mais... il commence déjà fort, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Là, il nous retire aussi un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Wow. Bon, par contre, il a pas beaucoup de vie. Ça va, il a pas beaucoup de défense. Ouais, on va pas galérer trop le jeu contre lui. Plutôt simple par rapport aux deux autres qu'on a battus là. Allez, et voilà, salut. Ok, bon, allons voir le dernier. Mais pourquoi il est parti tout là-bas? Ok, pourquoi pas. Je vais essayer d'en buter quelques-uns sur la route. J'aimerais bien devenir ami avec ces espèces d'anguilles géantes là. Je sais pas si elles sont si fortes que ça, mais elles ont l'air cool en tout cas. Oh, c'est tout. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts en fait, le Buster là. Mais pourquoi à chaque fois il s'en va à l'autre bout, l'autre? Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ils s'en vont à l'autre bout, c'est bizarre. Ah d'accord, il doit faire le tour du quartier, l'autre. Salut. Oh, cette anguille, trop bizarre. Jamais vu un Yokai pareil. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais elle a au moins 4 paires de bras. C'est étrange. Alors, à ton tour. Oh! Bon, ça va, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de vie non plus. Allez, surtout bientôt que je vais pouvoir refaire la multim de notre Jibanyan Buster. Comment on va l'appeler? Bejibanyan? Ouais, Bejibanyan, ça lui va comme nom. Par contre, j'ai pas pu lui changer de nom. Ils veulent pas que je lui change de nom. Bah, je lui changerai quand j'aurai Shepo, mais j'ai toujours pas Shepo, c'est dingue ça. Bon, Shamelo Gaming m'avait dit que je l'aurai dans pas longtemps, bah, toujours pas en fait. Et voilà!
4 yokai butés. J'ai le sentiment que c'est pas fini. Bah oui, c'est pas fini. Il va y avoir un boss, c'est ça? Je sens le boss. Allez. Allons voir, ça sert à rien que je récupère le G parce que je l'aurais perdu d'ici à ce qu'on arrive au boss. Allez, vas-y. Ok. On n'a pas gagné tant d'XP que ça. Hein. C'est vraiment pas une mission super rentable finalement. Il va falloir que je refasse plein de missions hors caméra pour avoir plein d'XP. Mais arrêtez de partir! Pourquoi à chaque fois ils s'en vont pour s'attaquer à Ikaku ou celui qui est au plus loin quoi? Il m'aime pas? Ok, ça c'est bien, 150 d'un coup, ça c'est cool. Allez. Oui, je sais, je sais. Oh, pas de cinématique. On va directement ici. Ah bah là, va falloir tous les rebattre, c'est ça, les 4 à la suite. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus de vie, donc ça va. C'est pas si grave. Est-ce que Yusapion est prêt d'avoir son âme ultime? Bah, il est déjà chargé. Allez. Voilà, on a les deux d'un coup. Ah bah non, on n'en a eu qu'un seul. Parce que l'autre a réussi à se décaler juste au moment. Allez. Bon, ça va, ils ont l'air plus faciles en fait à battre qu'ils ne l'étaient juste avant. Ok, après les deux autres vont arriver, j'imagine. Ça m'étonnerait que ça s'arrête ici quand même. Fukashi, Yakashi. C'est ça leur nom, Fukashi, Yakashi. Et là, Kokai. Et l'autre, Nankai. Ok, d'accord. Bon, j'ai pas réussi à tirer parce que l'autre il a réussi à m'avoir. Ouais, je leur fais pas tant de dégâts que ça. Je pense que bientôt je vais pouvoir faire l'âme ultime de. Du Buster là. Ah, je peux pas encore. Ouais, ok, d'accord. Bientôt, enfin le combat sera peut-être fini quand je pourrai le faire en fait. Ça se charge petit à petit. C'est bientôt bon là, je pense. Enfin, non, presque. Ah, bah il y en a déjà un mort. Ok. Allez, et voilà, c'est bon. Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas le louper. Non, non! Ah si, c'est bon. Parce qu'il y a une zone de tir qui est énorme, le truc qui va aller l'écran. On peut louper aucun ennemi avec ça. Ok, d'accord, vous en avez encore un autre en réserve ou c'est fini? Oh non. C'est le chef, lui. Hakai. Ah! C'est le même caractère que Yokai à la fin. Genre Hakai, Yakai, et ça finit à chaque fois par le même caractère que Yokai. Donc je suis désolé, je ne sais pas quel est le dernier. Enfin, ce que veut dire en japonais le dernier caractère de Yokai. Je sais ce que Yokai veut dire, mais alors Yo et Kai, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire séparés. Mais c'est le dernier caractère, donc ça a un rapport avec ça. Ok, déjà mort. Lui, par contre, il fait des dégâts. Hein. Lui, il ne rigole pas. Allez. Ah oui, c'est cette attaque en fait qui fait tellement de dégâts. Et voilà, encore un autre de mort. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire là? Je sais pas s'il s'apprêtait à faire, mais... Ah oui, mais cette attaque, elle est ultra balèze. C'est vraiment l'attaque qu'il faut éviter à tout prix, parce que sinon, bah, tu y passes. Non mais arrêtez, barrez-vous là. Restez pas en plein milieu quand il va faire cette attaque. Et aide Fuyunyan là, l'autre. Aide Fuyunyan avant qu'il... Mort. Ok, il paraissait impressionnant, mais finalement, il n'était pas si difficile que ça. On a réussi à le battre. Et bien, c'est bon, maintenant on peut repartir. Oh, j'ai oublié de faire le bingo kai, juste après. Et bien voilà, mission terminée. Donc comme je vous ai dit, on va s'occuper du bingo kai, puis en plus on vient de récupérer une nouvelle pièce, c'est cool, même si je sais pas si je vais m'en servir. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que... Ok, lui, il passe au travers de la porte, il se baisse même pas. Donc c'est bon, finalement, t'es pas si méchant que ça. Apparemment. Oh mon dieu! Hakai rejoint l'équipe. Waouh! Ça a l'air d'être un sacré yokai. Mais écoutez, on va l'appeler Hakai. Non, il s'appelle pas Hakai, il s'appelle Hakai. Allez, donc. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il rejoigne mon équipe. Surtout qu'on vient de le buter quand même, mais bon. Hakai, voilà. J'aurais dû mettre un tiré comme pour yokai, mais bon, tant pis. Et voilà, un nouveau yokai inattendu qui rejoint notre équipe. Est-ce que tous ses potes rejoignent notre équipe aussi? Tout le monde avait l'air content, genre, oh, c'est pas grave, t'as failli nous tuer. Enfin, tu as tué certains de nos yokai plein de fois, mais c'est pas grave. Alors, donc on va essayer d'avoir...
J'aimerais bien avoir l'orbe, hein, mais bon, elle n'y est plus, l'orbe du dragon. Écoutez, on va essayer d'avoir lui, parce que lui, il a l'air stylé. J'aime bien ce yokai. Allez, c'est parti. Et bien voilà, on a eu Pégase, mon yokai préféré, que j'avais déjà en plus. À la fin, quand il y a eu le doré qui est tombé, je sais pas vous, mais moi j'y ai cru, hein. J'ai cru que ça allait être un super yokai, et en fait, bah non, 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 pas du tout. Alors lui, normalement, s'il veut nous parler, c'est généralement qu'il veut nous donner une mission. C'est un peu comme ça que ça se passe quand ils ont un point d'exclamation au-dessus d'eux. D'accord, donc voilà, il m'a donné une mission. Super. Ça peut être des missions dans lesquelles on peut débloquer des yokai, par exemple lui. Peut-être qu'on pourra jouer avec lui à un moment. Pour l'instant, toujours pas, mais peut-être à un moment. Je sais pas où est apparue cette mission, on verra plus tard. Alors, 49 ou 49. Et on va certainement débloquer Kyuubi ou Octorgogne. Mais alors 49. Écoutez, je pense pas qu'on va y aller tout de suite. Je voulais juste faire un détour avant parce que j'ai vu que Whisper voulait me parler tout en bas. Donc descendons. Whisper, salut. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux m'emmener au YBK? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, ok. What? Ok, mais toi tu veux pas me parler? Enfin, je sais pas, t'avais pas de point d'exclamation au-dessus de moi et pourtant tu voulais me parler? D'accord, pourquoi pas. Oh, peut-être qu'on va le débloquer! Attendez, attendez, si on le débloque, ce serait trop cool, non? Est-ce qu'on le mettrait pas à la place de D-Bayon Buster? Peut-être, hein. On va voir, on va voir. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Ce serait trop cool. Bon, je sais pas, on s'en fout de ce que tu dis, nous, on veut juste savoir si tu nous rejoins ou pas. Ah bah non. Oh! Toi aussi tu veux nous parler? C'est qui ce vieux? Salut. C'est Sokono Chimi. D'accord, c'est un yokai ou c'est un monsieur? Je ne sais pas. Ah non, il s'appelle pas Sokono Chimi, c'est juste qu'il disait... Oh, un truc VIP! Qu'est-ce que c'est? Oh! Lui, ça a l'air d'être un yokai, non? D'accord, ça débloque des nouveaux trucs pour le menu. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant tout ça, mais eux, ils ont l'air contents, en tout cas. Alors, donc maintenant on peut s'en aller, on peut retourner, donc on a fait ce détour pour on sait pas trop quoi, mais voilà. On a peut-être débloqué une nouvelle mission, en fait, voilà. Alors, quoi? Ah, c'est si on veut y retourner, mais non, c'est bon, j'y suis déjà allé. Donc on va augmenter un peu de niveau no yokai, toujours Ikaku, hein, parce qu'Ikaku, c'est lui qu'il faut toujours qu'il survive le plus et qu'il soit le plus rapide. Parce qu'il faut qu'il soit de nos yokai le plus rapidement possible. Maintenant, enfin, il a gagné qu'un seul niveau, je sais pas si ça va être suffisant, mais bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le bingo kai, j'ai pas de chance. J'ai eu de la chance au départ avec Ikaku, puis depuis j'ai plus de chance. Bon, donc on va faire une mission en plus dans cet épisode. Je pense qu'on va faire la mission Kyuubi ou Octorgogne. On va faire la mission Kyuubi, de toute façon vous en faites pas, on fera la Octorgogne dans le prochain épisode. Donc j'espère que ça va nous permettre de gagner Kyuubi quand même. Même si ça va certainement pas être une mission de tout repos, hein. Parce que niveau 47, c'est ça 47, alors qu'on est niveau 43 max, ça va pas être facile. Déjà qu'on perd tellement de vie contre un ennemi ordinaire. Ouais, voilà, je la sens mal cette mission. Il faut que j'XP entre les épisodes, c'est pas possible là. C'est pas possible du tout. Je pense que je vais récupérer les orbonies qu'il y a sur le terrain parce que... Voilà quoi. À un moment, il faut arrêter de penser que je suis le meilleur. J'ai tellement de niveau de retard maintenant. Salut. Ah, il avait regagné des vies juste à la fin. Il donnait des vies juste au moment où il était mort. Ok, 120, c'est cool. Même si finalement, à notre niveau, ça représente plus grand chose. C'est toujours mieux que rien. Et là, ok, 80. Alors, allons aussi chercher celle qui est là. Et il va juste y avoir le boss dans cette mission, j'ai l'impression. Parce qu'on va se téléporter directement à la zone du boss. Le boss, bon, ça va être Kyuubi, je pense. Hein.
va vouloir nous affronter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était un parasol à l'envers. Ouais, j'en ai bien l'impression. Eh, salut, Gagalurin. Ça va, lui, il est pas difficile à buter, il a même pas réussi à me taper. Ah si, quand même, il est élémental haut. Ah non, c'en est un autre qui m'a... Ah, c'est cap à cap, ok. Je me disais, bizarre, Gagalurin qui est élémental haut. J'étais pas au courant. Mais non, en fait, c'était cap à cap qui nous attaquait. Allez. Oh, 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 non, 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 d'abord, on va finir... Enfin, on va buter. Donc, Espy et Kidzu, j'ai pas réussi à lire. C'est parti trop vite. Allez. J'aimerais bien savoir son nom, mais je pense qu'ils vont réussir à l'avoir tué avant que j'ai réussi à finir Espy. Parce que Espy, je suis tout seul contre elle. Non, c'est bon, il y a Fu Yunyan qui m'aide. Allez, c'est bientôt fini là. Voilà. Donc l'autre s'appelle Akizunas. Kizunasu. Ok. Stylé. Enfin, c'est une healeuse, donc elle est pas très difficile à battre. Quand ils mettent des ennemis healers, j'ai l'impression qu'ils soignent jamais leurs potes. À chaque fois, ils nous tapent, mais ils soignent jamais leurs potes. Ok, on peut s'en aller maintenant? Non. On va continuer. Et voilà. Encore pas de cinématique, d'accord. Alors là, par contre, ça va être compliqué parce qu'il y a QB, Juvencia, Damona et la version dorée de la sirène, mais je sais pas qui c'est. Alors ça, je sais pas ce que ça fait, mais j'utilise. C'était l'objet que j'avais, donc utilisons-le. Ok, alors je vais essayer d'en avoir un maximum. Faudrait que je puisse tirer sur un maximum d'un coup. Voilà, allez. Voilà, comme ça j'ai réussi à en taper un maximum. Ça c'est plutôt cool, j'en ai tué deux d'un coup. Mais c'est bon, ça va pas être si difficile finalement ce combat. On arrive à s'en sortir plutôt pas mal. Où sont les vies de l'autre? Elle est pas morte. Ah, l'autre elle est bientôt morte, donc on va s'occuper d'abord d'elle. Ouais, pour une mission où faut être niveau 49, faut pas exagérer quand même. Elle est pas si difficile cette mission. J'aimerais bien débloquer les 4 là. Non, ça je crois que je rêve. J'ai de la chance si j'en débloque déjà un seul. Mais vu qu'il y avait QB sur la miniature, ça m'étonnerait pas qu'on débloque QB. Allez. QB qui est en S, non? S'il est en S, je le mettrai peut-être à la place de Fu Yunyan. Enfin, à moins que Fu Yunyan soit aussi en S, je sais plus. Je sais pas s'il est en A ou en S. Allez, on va prendre Yusapion. Ah oui, qui peut faire son âme ultime. Non! Ah si, c'est bon. Il s'est foutu devant le rayon au moment où j'ai tiré. Plutôt cool. Allez, Kyubi! Désolé, je sais pas pourquoi tu nous attaques, mais alors nous aussi, hein. Pas de répit. Et voilà, salut! Par contre, il donne vraiment pas tant d'XP que ça, hein. J'ai même pas récupéré 1000 XP en combattant les boss, là. Et voilà, salut! Je sais pas si vous avez remarqué, mais Kyubi, en japonais, a une voix de meuf. Vous pouvez faire demi-tour pour écouter quand Kyubi nous parle à la fin, mais Kyubi nous parle avec une voix de meuf, c'est certain. Alors, je pense qu'en japonais, Kyubi est vraiment une meuf. C'est juste que dans la traduction en français, dans la localisation, ils l'ont passé en mec, parce qu'ils se sont dit « C'est quand même bizarre, une meuf qui se transforme en mec pour séduire Cathy. » Et donc, ils ont dû le traduire en homme. Ça arrive souvent dans les mangas que, justement, il y a une femme qui se comporte un peu comme un homme. Et donc, bah, dans la traduction en français et en anglais, ils la traduisent comme étant un homme. Bah, comme par exemple Sailor Moon, Sailor Uranus, c'est une femme. Et dans la version française, c'est doublé par un homme et c'est un homme. Voilà. Alors qu'en japonais, non, c'est bien une femme. Bah là, c'est pareil, je pense. Je pense que Kyubi, c'est pour ça que Kyubi a l'air vachement féminin. Et qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est un homme ou une femme, Kyubi? En fait, je pense que quand je dis que Kyubi est une femme, je me trompe pas tant que ça, parce qu'en japonais je suis quasiment sûr que ce soit une femme. Enfin, c'est à vérifier, mais ça ne m'étonnerait pas. Alors, eh ben on débloque pas Kyubi. Ah bah ça c'est dommage. Bon, tant pis. Bon, eh bien en tout cas on va rester là pour cet épisode, et on va faire la mission de Octorgon dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se rapproche de l'autre fin du jeu, enfin disons du boss secret du jeu. Je sais pas s'il y en a qu'un seul ou s'il y en aura d'autres. Enfin, on verra ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Likez si ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Yuka Watch Buster. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, salut.